Bonjour à toutes et à tous, c'est Rekai et je vous retrouve sur Medieval de Total War pour la suite du Let's Play avec les Castillans. La dernière fois, on avait réussi à bouter les Portugais, hein, on avait que ça les Portugais. On avait commencé à taper sur les morts, même s'ils sont loin d'être vaincus. On va avoir fini avec ces gens-là. Ici. Bordeaux. Là j'ai une armée à Bordeaux, donc peut-être recruter des troupes. Donc je recrute également surtout de la troupe à pied parce que j'avais pas beaucoup. Allez. Il commence à me casser les pieds avec leur steam-bam. Je fonce ensuite en Afrique pour pouvoir justement prendre le pied sur le continent et commencer à taper de l'infidèle. Bretagne, c'est anglais. Donc les Anglais, ils ont la Bretagne et la Normandie. Intéressant. Mon diplomate qui est ici. Noble seigneur. Bien sûr, messire. Dois-je rencontrer? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, seigneur? Il n'y a point de problème. Nous acceptons. Bon. Parfait. Nous apprécions de traiter avec vous. Je suis rapproché du pape. Et quand on est avec le pape, ça fait jamais de mal. À vos ordres. Oui. Soldats, marche. Nous continuerons demain, seigneur. Écoutez la troupe. L'entraînement, ce sera pratique. Ici, Grenade, ça passe vous comment? Ordre, noble sire. Nous combattrons avec honneur, messire. Force prochain de tour. Siège au rapport, messire. Bordeaux, par contre, on peut réparer la troupe. Ouais, on va attendre un petit peu, un tour ou deux. J'essaie de négocier des accords avec les Siciliens. Et après. Ok, je prends. L'avantage d'un mec pareil, c'est que... Oui. Vous l'envoyez, par exemple, dans une ville comme Pampelune ou Léon. À vos ordres. Nous continuerons demain, seigneur. Pas vrai pour mettre le contrôler la colonie manuellement en plus. Vos économies, j'ai dit. Vos ordres, noble sire. Alors vous, par contre, ici. En marche! Nous allons leur faire rejoindre leurs ancêtres. Vous avez pas eu deux mecs. Victoire totale. Nous les avons vaincus, messire. Faut commencer aussi de perdre d'ailleurs. Vos ordres, noble sire. Que Dieu nous garde. Nous allons combattre. Lance un saut. De grenade. Bon, non, c'est pas avec les 10 renforts que tu vas me battre. Allez. J'ai deux balises en plus. Au nom de Dieu, soldat. En marche. La victoire sera nôtre en plus. Bon, c'est le déploiement. Unité, attendez mes ordres. Alors, on n'est pas trop bien placé. Marche.
Des renforts ennemis arrivent! Faut accélérer parce que sinon c'est très chiant. Vous bloquez là-bas en plus les mecs. Nos tours de siège ont atteint les... Le bélier est en place. Les défenses de l'ennemi ne tarderont guère à céder. Son œuvre. L'heure est à présent à la vaillance et au fait d'armes. On rentre. Vous restez là. Hop, hop, dehors, c'est quoi ça? Grâce soit rendue à Dieu. Nous avons capturé les murailles. La bataille tourne en notre faveur. Redoublons de vaillance et la victoire sera nôtre. Vous descendez quand même. L'ennemi est en fuite. Écrasons ces gueux juste. Gloire à Dieu. Nous avons capturé le général adverse. Ah, bien. Voilà ce qu'il en coûte de fuir bassement. Lui, qui voulait du repos, va goûter à notre hospitalité. On va descendre. Et au combat, tête connard! C'est bon, il va venir là. Sans vouloir vendre la peau de l'ours, là, c'est pas avant dur. De l'avoir tué, on chope leur cave. Nos âmes semblent en passe de remporter la victoire. Les archers, vous tirez en masse. Je pêche en plus sur les mecs qui sont derrière. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi, décimé de moitié. Seigneur, aie pitié de nous. Notre chef est tombé sur le champ de bataille. Mais non. Le général ennemi est tombé. Bon, espérons voilà. Que la mort de ce sale petit Fennec brisera le moral de ses troupes. Et que Dieu l'ait voulu, que les deux généraux tombent en même temps. Des chocs aux combattants vertueux, dont la valeur... J'ai dit que carrément le roi Alphonse vient de mourir là. Sage. Ah oui. Oui. Voilà, hein. Le roi est mort.
L'ennemi est vaincu, seigneur. C'est quand même triste de mourir pour nous appartient. En achevant la Reconquista, quand même. Nous avons vaincu. Bon, par contre, là... J'obéis. Il est craint, lui, le roi Rodrigo le Courroucé. Je vous écoute. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. À vos ordres. Ah, je suis en guerre avec les Français, d'accord. Nous allons engager le combat, seigneur. Notre flotte est victorieuse. Regarde la mission quand ça se passe, là. Bah si, je suis ennemi avec les Français. Faut que je prenne 15 régions et que j'extermine les morts. J'ai pas encore fini d'acheter les morts. Que 9 régions seulement sur 15, il m'en faut 6 de plus. Il y a 2 là. Nous combattrons. Je prends Toulouse. Les Français me cassent les burnes à me déclarer la guerre, bon bah c'est leur problème, ils vont assumer les gars. On dit que où? Oui, en Sicile, je suis en Sicile. Je sollicite une audience. Ma route s'arrête ici pour aujourd'hui. À vos ordres. Oui, oui, oui. À vos ordres. Oui. On va traverser Gibraltar. Oui. Nous ne commerçons pas avec les hommes. Serviteurs des dieux. Ouais, c'est quoi? C'est du brigand. Vos ordres, noble sire. Que Dieu nous garde. Nous allons combattre. Comment ça, tous ces brigands? Une victoire plus qu'honorable, messire. À vos ordres. Et je vais m'occuper des Français, je vais leur rappeler que bah, s'ils continuent à me casser les pieds, les Frenchies. J'étais Cordoue. Ah, j'ai pas dû gagner cette ville. Seigneur, l'ennemi attaque nos murs. Que devons-nous faire? Grave, on va juste les attendre. Ma troupe s'est dessinée, seigneur. Ah, papier. On va une mission en Sicile. Ok, bah, c'est un tour. Ordres, noble sire. Messire, devons-nous épargner... Votre Majesté. Oui, seigneur. C'est ici que nous combattrons l'ennemi. Non. Oui, l'ennemi est vaincu, seigneur. La oui, nous appartient. Un nouveau général, je le prends. Partons. Ou des généraux. Nous continuerons demain, seigneur. Oui. En avant. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Vos ordres, noble sire. Qu'est-ce qu'il est, ce con? Puis-je attaquer, seigneur? À vos ordres. Je vous écoute. À vos ordres.
Vos ordres, noble sire. Nous combattrons avec honneur, messire. Oui, le siège a commencé. Force de siège au rapport, messire. On va faire ça, fin du tour. Et quoi souhaitez-vous me faire part ? Ah, les Siciliens. Nous n'acceptons cette proposition qu'à contre-cœur. Vous avez une autre offre à nous faire ? Très bien, je vous écoute. Yedoua, hélas, refusé cette fois-ci. Oh, dommage, j'avais aimé que tu puisses. Une offre plus équilibrée cette fois-ci. Peut-être un bel échec diplomatique. Ah non, j'aurais réussi à faire un accord commercial, c'est pas si mal. Bon. J'ai réussi, voilà. C'était que la France. Bah parfait. Ok, bah j'ai attendu 5 tours. Par contre, c'est eux qui ont été à la guerre, je rappelle. Hein. Par contre, je peux vous dire que si eux ils viennent faire quelque chose, je défonce. Pologne, Hongrie alliée, Byzance, Saint-Empire, ah bah la vache. La Hongrie, la Pologne, on va donner leur souveraineté. Eh ben. Je me rassure que Serge est mauvaise. Parce que les que Serge sont mauvaises. Noble seigneur. Oui, seigneur. Saint-Empire ferait peut-être mieux déjà des fois de faire gaffe à ce qu'il fait. Et ses frontières. Oui. Oui, seigneur. Nous comptons nommer votre ennemi, seigneur. En marche. Reviens, ça le lâche. Pour leur faire rejoindre leurs ancêtres. Messire. Oui. En avant. Oui. Préparez-vous. Oui, seigneur. Nous n'attendons plus que vos prends le contrôle de sa flotte. J'ai l'air de casser les couilles. Nous ne pouvons pas aller dans cette direction. Toute voile dehors. Serviteur de Dieu. Et il y a Pablo le corrompu. Dieu m'accompagne. Messire. Très bien, messire. J'ai... À vos ordres. Partons. La fin d'une bonne journée de marche. Je vous écoute. Qui dois-je affronter ? On veut que quelque chose se passe bien. Qu'est-ce qu'elle veut, la princesse ? Eve. En ces temps de guerre, j'apporte des paroles de paix. Rien dans cette offre n'est à notre avantage. J'espère que vous ne tenez pas ce genre de discours aux autres dames. Ouais. J'ai dû accepter l'offre. Pourquoi, connard ? J'obéis. En marche ! Nous allons leur faire rejoindre leurs ancêtres. Nous les avons ouverts ? Oui. Oh. Nous n'avons eu aucune pitié envers ces chiens. Oui. Là, elle est promue. Je vais vous laisser ces hostilités, mais bon, c'est eux qui ont refusé. Vos ordres, noble sire. Dieu est avec nous, soldats. Au combat. Mais ok, mais j'y vais, parce que ça. Les mecs refusent. Au combat. Remarquez les gens, c'est pas que je cherche la merde. Hein. Et... Voilà, c'est pas mal méchant, hein, cette histoire. Proposer une paix de Toulouse. Unité, attendez mes ordres. Unité. Unité. Tour de siège. Unité. Unité.
Avancez. Au mur, bouseux. Il y a une unité là qui se balade et une unité qui garde la ville. Autour de siège ont atteint les murailles. Il est temps de nous rougir les mains. Le bélier a fait son œuvre. L'heure est à présent à la vaillance et au fait d'armes. Entrez dans cette ville. Nos soldats ont prouvé leur valeur en ce jour. Les murailles ennemies sont sous notre contrôle. Sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nos hommes semblent en passe de remporter la victoire. Fume les archers pécores. Le sol est vermeil sous le sang de l'ennemi, décimé de moitié. On y va. Sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nos hommes semblent en passe de remporter la victoire. Nous sommes bénis! Le général ennemi est mort! Qu'il brûle en enfer, le misérable! Bon. Seigneur! Nous avons pris le contrôle du château. Sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nos hommes sont... Une victoire aussi nette n'échoque aux combattants vertueux dont voilà. La valeur... Bon, la victoire précise, là. Jolie victoire. Bon, j'ai pris la France. Je suis excommunié, par contre. Ça, c'est un peu la merde. Oh mon Dieu, merci de nous avoir livré la victoire. Notre courage vous a apporté ces terres, messire. On va déjà faire un petit peu de fusion de troupes. À vos ordres. Oui. À vos ordres. Oui. Est-ce qu'on peut pas négocier justement avec ces gens-là ? J'obéis. Oui, seigneur. Avec le pape. Pas moins d'être un diplomate là-dedans. Non, petit diplomate. À vos ordres. Nommez votre ennemi, seigneur. Le camp va être établi ici, messire. Je vous écoute. Pour mort, leur capitale est ici. Enfin. Oui, seigneur. C'est ici que nous combattrons l'ennemi. Une victoire plus qu'honorable, messire. On va retraire, c'est Dieu tout. Nous garde. On va traverser tous ces territoires pourris. Vous êtes un ennemi de la France. Allez-vous-en! L'ennemi nous assiège, messire! Mais oh, Dieu putain. Est avec nous! Une tempête! Ah, je vais faire ça plus avancé. On me demande de faire quoi?
Un blocus à Marseille. Mais du pognon ? Byzance-Hongrie. Bon bah, s'ils veulent. Oui. Nous rejoignons la flotte, seigneur. Nous continuerons notre voyage demain, seigneur. Serviteur de Dieu. Oui, messire. Ma route s'arrête ici pour... Attaquez-moi si vous l'osez, espèce de lâche. J'ai pas plus de troupes. Disponible troupes. De cac. Toutes les chinétesses là, les pauvres. Vos ordres, noble sire. Nous combattrons avec honneur, messire. Soldats, organisez le camp. Nous resterons. Ah, il tente l'attaque, ça y est, il veut se battre. C'est une beauté de 787 hommes, mais 300... J'ai beaucoup d'archers. Qu'est-ce que je vais faire, genre, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et au revoir, et à la prochaine. Salut tout le monde.